La marque Ecovax ne cesse de m'impressionner, notamment grâce à son D-Bot T30S Pro, un robot aspirateur avec une puissance de 11 000 pascal, mais surtout avec beaucoup de technologies d'intelligence artificielle. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez bien, et comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va s'attaquer à un robot aspirateur alimenté sous intelligence artificielle qui sera capable d'entretenir votre maison, que ce soit en aspirant le sol ou même en le lavant grâce à ses deux serpillières. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on s'attaque encore à une pépite technologique. Alors n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et nous on est parti sans plus attendre pour commencer cette vidéo avec l'unboxing. Pour survoler rapidement l'unboxing, il faut savoir que le tout a été super bien protégé dans un carton assez grand. Il faut se l'avouer, il a été assez gros, mais en tout cas, on a tout de bien protégé. Et ce qu'il faudra noter, c'est également l'aspirateur qui est enfermé entièrement dans du polystyrène. Ça, c'est une première pour moi, quelque chose d'aussi bien protégé. Donc évidemment, il n'y a rien eu durant le transport. Mais avant de passer au test, laissez-moi vous présenter le D-Bot T30S Pro qui est en train de charger. Il a plusieurs choses de très intéressantes à savoir. Alors concrètement, ce robot aura une puissance d'aspiration d'11 000 pascal, ce qui est très bien. On aura une capacité de batterie de 6400 mAh, ce qui correspond à 350 minutes d'utilisation. Et il faut savoir que c'est un appareil qui va aspirer, mais qui va être aussi excellent pour passer la serpillière. C'est un 2 en 1. Je vais le sortir délicatement de sa base et je vais le déranger un petit peu pour vous le présenter. Alors, je pense que ça se voit rien qu'à sa gueule. Il a plusieurs fonctionnalités très intéressantes et vous pouvez voir dépasser ici les serpillières. Bref, il y a un capot qu'on pourra enlever et on pourra donc accéder à plusieurs choses. Le bac à poussière avec ses filtres, ainsi que quelques boutons. Et ici, on aura les différents micros qu'il y a au-dessus, car il sera compatible Google Home et Alexa. Juste ici se fera le remplissage du réservoir d'eau de façon automatique grâce à la station. Et si je le retourne, on peut voir qu'il a une toute autre tête. On peut voir évidemment le module dont je vous parlais juste en haut, qui est tout simplement le True Mapping, qui va permettre de cartographier la maison très rapidement. Mais on aura aussi le capteur 3D True Detect juste ici, et la caméra AIV juste ici. L'AIV 3D 2.0 est tout simplement une technologie qui va nous permettre de détecter des obstacles afin de les éviter. Donc évidemment, ici, ça va être super important. On aura un capteur de bord juste ici, et globalement, on aura eh bien cette partie pare-choc à l'avant, comme on connaît bien. Et d'ailleurs, c'est ici que les saletés passeront par tout simplement la station. Ça passera ici, c'est très discret et bien fait. Dans l'ensemble, on a un très beau design noir comme vous pouvez le voir. Évidemment, nous on notera trois boutons de navigation classique pour nettoyer, pour arrêter et allumer et pour retourner à la station. Et en dessous, c'est fabuleux. On aura donc ces deux serpillières. On est sur les Osmo Turbo 2.0. Des serpillières avec une rotation évidemment élevée, mais surtout avec une pression qui s'exercera sur le sol. Comme vous pouvez le voir, il y a une petite marge de manœuvre et ça va appuyer sur le sol. Vous pouvez le voir, il y a un petit jour et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner en action. Sinon, mis à part ça, on retrouve évidemment les deux roues motrices qui sont ici, qui sont énormes et crantées, et on retrouvera la roue directionnelle. Mais surtout, on retrouvera aussi cette brosse qu'on pourra évidemment retirer pour nettoyer, bien qu'on ait sur une technologie zéro tangle, c'est-à-dire qu'il n'y aura rien qui se bloquera ici. Je parle ici des cheveux et des petits fils, tout sera directement enlevé grâce à cette conception. Mais il ne faut pas oublier sa base qui est appelée la station Omni, qui sera 10 en 1. C'est ce que décrit la marque. Entre les vidanges automatiques, le lavage et séchage des serpillières ou encore le remplissage du réservoir d'eau propre, nombreuses sont les fonctionnalités de cette station. C'est notamment ici en bas que les serpillières vont être lavées et séchées à hauteur de 70 degrés. On pourra également parler du réservoir ici où est-ce qu'on pourra ranger le sac à poussière. D'ailleurs, l'ouverture est très pratique. Une petite pression et ça tombe. Vous vous doutez, il y a un bac pour l'eau propre et un bac pour l'eau sale qu'on pourra ressortir ici et vidanger très facilement. Avant d'aller plus loin dans le test, il faut savoir plusieurs choses concernant les fonctionnalités d'intelligence artificielle de ce robot. On a une technologie d'évitement d'obstacles AIV 3D 2.0, c'est-à-dire que le robot, quand il va détecter un obstacle, il va le tourner autour sans le toucher. On a un nettoyage profond, c'est-à-dire que dès que le robot va détecter une tâche, il va ajuster le nettoyage et par exemple le débit d'eau, il va laver ses serpillières, puis
il va laver encore une fois la zone qui était sale. On appelle ça l'AI Instant Remop. Je peux aussi parler du True Edge qui va tout simplement consister à sortir l'une des serpillères pour pouvoir atteindre des endroits qui sont un peu inaccessibles. Et ces serpillères exerceront une pression sur le sol. Et ça, c'est très sympa. Bref, assez parlé, passons maintenant au test. J'ai donc installé la base là où il faut et on va commencer directement par cartographier les lieux parce que j'ai connecté le robot. C'est grâce au True Mapping qu'on aura quelque chose de rapide. Le True Mapping 2.0, une technologie qui permet de tout cartographier. Allez, il fait la cuisine et il va revenir. Et maintenant, le retour à la base, qui se fait évidemment sans échec. Et voilà, il vient de rentrer et maintenant, on est parti. L'appartement a été cartographié, on va donc maintenant lancer une aspiration classique. On notera qu'il a bien distingué la cuisine du salon, comme vous pouvez le voir, avec deux pièces. Allez, maintenant, je viens de mettre aspiration max ici, mais on a aussi le mode max plus. Alors, démarrer et on va voir comment il va agir. Vous pouvez l'entendre, il commence à démarrer, je trouve que le bruit est supportable mais bel et bien présent. Et là, évidemment, il va faire son boulot, il va aspirer. Évidemment, il ne faut pas oublier ce que j'ai oublié, la petite hélice, et boum, c'est parti. Et il va donc vadrouiller, il va faire les moindres recoins, comme vous allez pouvoir le voir. Grâce à ces différentes technologies, il pourra tout simplement, par exemple, esquiver des obstacles. Mais là, ce qui va m'intéresser, c'est de voir la puissance d'aspiration et également comment il se débrouille dans cet environnement. Et là, c'est un cas concret parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Comme on peut voir, il y a d'une part un autre siège et aussi beaucoup d'étagères et de choses, et notamment aussi des fils par terre. Donc ça va être intéressant de voir tout cela. Il arrive à faire les recoins des pieds de la chaise. Et alors là, ça va être intéressant. On a pas mal de fils, comme vous pouvez le voir. Là, il y a du câble. Il y a des multiprises et des câbles de partout. Et alors ça, j'adore parce qu'il contourne littéralement tout. Et ça fait très plaisir. Il va éviter de se mélanger au câble et il va passer tout à côté. Ça fait vraiment quelque chose de bien. Il tourne partout. Et même ici, dans des tout petits recoins, il n'y a pas de souci. Alors c'est vrai que c'est vraiment utile et il pourra faire tous les recoins avec sa petite brosse. Bref, il vient de faire un premier tour et là ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire son deuxième et il va faire de l'extérieur vers l'intérieur évidemment. Et il va commencer par la première pièce, à savoir la salle de vie. Et maintenant, je vais tester la puissance maximale, à savoir max plus. Et on va voir à quel point il est efficace. Alors tout d'abord, il va faire le contour, mais ensuite, il va tout simplement tout aspirer et ne rien laisser. Et voici ce que ça donne quand il rencontre un tapis. Il va tout simplement se concentrer et ralentir. Et du coup, il a détecté le tapis. Mais là, il est déjà sur la puissance maximale. Mais j'aurais pu aussi lui dire de contourner le tapis. Ah là, il a détecté très clairement qu'il y avait tout simplement des particules parce qu'il a aspiré très fort. Et là, il a tout simplement gravi le tapis. Non, franchement, je suis content pour le moment. Regardez ça. Ça le fait très proprement. Bon, il en rebalance un petit peu de l'autre côté. Donc, je vais faire un deuxième passage. Ah, quoi qu'il récupère encore pas mal avec sa petite brosse. Bon, tout ça pour dire que c'est très intéressant au niveau de la puissance. Il vient littéralement de faire la tâche qu'il fallait. Ok. Et voilà. Et boum, c'est terminé. Et le retour d'une première fois se vider et faire la vidange des poussières, donc qui vont aller tout droit dans le bac. Et bien pour une première aspiration, j'ai envie de vous dire qu'on est sur quelque chose de tout à fait fonctionnel qui va respecter à la lettre la puissance indiquée. Les 11 000 pascals se ressentent évidemment. Le seul bémol que j'ai trouvé durant ce test d'aspiration, c'est qu'avec la quantité de café que j'ai mis, les hélices sont un petit peu propulsées quelques grains, un peu éloignés. Après, il faut voir, il y avait quand même beaucoup de grains, mais normalement, c'est le genre de choses que la marque nous promet d'éviter. Il y aura normalement une fonctionnalité qui permettra d'éviter de disperser de la poussière ou des éléments quand le robot en détecte. Les hélices arrêteront de tourner super vite,
pour laisser l'aspiration travailler. Bref, globalement, on est sur un robot qui va très bien se repérer grâce à une très bonne cartographie. Et maintenant, passons au côté de l'application, parce que vous allez voir qu'il y a des choses impressionnantes. Et alors, côté application, on a des choses très intéressantes. Je connais déjà l'application. Alors, on aura quelque chose de sympa chez Ecovacs. Et là, on pourra voir qu'on a trois fonctionnalités principales. Un gestionnaire de vidéos, vous allez voir après, continuer, etc. Bref, une fois qu'on est dedans, on peut faire les réglages, c'est-à-dire on peut voir les préférences de nettoyage, on peut voir le débit d'eau, on peut voir le nombre de passages, par exemple ici en x2, on peut aller aussi jusqu'à changer évidemment la puissance d'aspiration. Là j'étais en silencieux pour un test, et ensuite la vitesse de nettoyage, est-ce qu'on veut beaucoup de lignes ou non. Bref, des choses très simples, et évidemment les deux zones, zones qu'on pourra sélectionner, et ensuite on aura d'autres paramètres. Donc de là, on aura par exemple, est-ce que les serpillères se relèvent au moment qu'il y a un tapis ou non, contourner les tapis, bref. Et on a aussi les paramètres d'intelligence. La serpillère se lavera par exemple toutes les 15 minutes, on va mettre par exemple toutes les 10 minutes. Durée de séchage entre 2 et 4 heures. Vidage automatique, extra. On active le TrueHenge pour avoir tout simplement quelque chose de bien plus complet. Bref, vous comprenez qu'il y a plein de paramètres et on pourra même programmer des nettoyages, évidemment. Alors ça, c'est le bonheur. On aura d'autres paramètres, le AV, comme vous avez vu, et on peut définir encore plus de choses si on le veut. Et maintenant, on va voir à quel point la détection de vide s'active. Parce que là, je vais tout simplement le lancer sur la table et on va voir s'il tombe. Ok, donc là, il ne va pas tomber et ça, c'est formidable. Il va tout simplement détecter le vide et c'est très impressionnant. Et ça fonctionne plutôt bien, hein, comme vous pouvez le voir. Il va détecter le vide et il ne va pas tomber. Ok, donc très impressionnant, hein. Il va jusqu'au bord, mais évidemment, il ne tombe pas. Alors ça, j'apprécie énormément. Et ici, il y a un peu plus de difficultés vu qu'il y a le micro. Et il a quand même détecté le vide, hein. Il n'est pas tombé. Alors ça, ça me fait plaisir. On a quelque chose qui est super intelligent. Ça, c'est validé. Et pour continuer, on peut regarder aussi l'évitement d'obstacles. Il s'est super bien fait, par exemple, sur ce pot de Nutella que j'ai posé. Il n'a absolument pas touché le pot. Et ça, c'est impressionnant. L'intelligence artificielle a reconnu l'obstacle et l'a bien esquivé de A à Z. Mais sachez que cet aspirateur robot pourra aussi vous servir de caméra discrète parce que, regardez, je peux contrôler l'appareil à distance et voir très exactement ce qu'il se passe chez moi alors que je ne suis pas chez moi. Là, c'est assez incroyable. C'est la première fois que je peux faire ça avec un aspirateur robot, et l'application est tellement sécurisée que je n'ai pas pu enregistrer mon écran comme je fais d'habitude avec l'enregistreur classique d'iOS pour des raisons de confidentialité. Bref, tout ça pour dire qu'on a quelque chose de très très bien pour pouvoir avoir un œil chez soi de façon très discrète, et on a également aussi la possibilité d'appeler. Là, je peux appeler et parler à distance, et ça c'est fou. Donc, c'est un très bon point. Mais évidemment, c'est un robot 2 en 1 qui fait aussi serpillière. Alors, j'installe tout ça, je mets les brosses et on est parti pour tester les serpillières. Et maintenant, on est parti pour tester les serpillières, les deux serpillières. Regardez la petite serpillière qui sort, ça nous permettra d'avoir évidemment accès à beaucoup, beaucoup d'endroits. C'est la deuxième fois que je vois ce genre de technologie sur les robots aspirateurs et bah, c'est vraiment une réussite, hein. Regardez ça, ça va sortir et ça va accéder à la plupart des coins. Regardez ce qui va se passer ici. Hop, le petit coin ne va pas être oublié. Et puis, c'est vraiment impressionnant. Bref, on est parti avec la serpillière. Et évidemment, j'ai mis du ketchup. On va voir comment bien ça donne. Et là, regardez, attention, le ketchup. Qu'est-ce qui va se passer? Là, on a presque touché le ketchup. Mais là, on va y être. Voilà. Ok, on passe une fois dedans. Et ça nettoie. Et voilà. Ça nettoie quand même bien, malgré qu'il y avait quand même pas mal de ketchup. Hein. Voilà, donc maintenant ça sent le ketchup. Mais en tout cas, c'est nettoyé. Il faut savoir qu'il naviguait les serpillères relevées, et ça c'est important à noter, parce qu'évidemment, si elles sont sales, sinon ils traînent partout. On va donc avoir le droit à un petit nettoyage des serpillères. Le système se met en place, ça nettoie. Et c'est la station qui va se charger de ça. Donc là, on peut entendre que ça nettoie. On imagine que ça, c'est à 70 degrés, comme expliqué. Et là, on peut entendre que les serpillères sont en train de sécher. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du T30S Pro de chez Ecovacs? J'ai envie de vous dire que c'est un très bon aspirateur robot 2 en 1 qui va aussi bien faire serpillière qu'aspiration. Les serpillières bénéficient de pas mal d'avantages. L'une des serpillières va pouvoir sortir pour atteindre des zones assez loin, et elles exerceront une pression vers le bas,
donc vers le sol. Et ça, c'est un bon plus. Le tout supplémenté par une technologie intelligente qui va notamment permettre d'éviter de disperser les serpillières sales. Par exemple, moi, la serpillière a été remontée afin d'accéder eh bien, à la station de vidange sans étaler les serpillières sales sur le sol. Ensuite, le tout a été lavé correctement. Le tout grâce à une température de 70 degrés qui sera délivrée par la station. D'ailleurs, là, elles sont encore en train de sécher. J'ai paramétré sur 2 heures de sèche. La chaleur va éviter tout simplement eh bien, qu'il y ait des odeurs d'humidité. Et comme ça, vous êtes sûr que votre prochain lavage se fera avec des serpillères. Bon, évidemment, sans surprise, c'est validé. De mon côté, on est sur un aspirateur robot 2 en 1 qui va vous fournir une grande autonomie grâce notamment à sa station, grâce également eh bien, à sa batterie ou encore à ses nombreuses fonctionnalités, par exemple d'évitement, d'obstacles, réduisant ainsi le nombre d'interventions sur ce robot quand il marche tout simplement. Bref, le lien de ce robot se trouve en description. N'hésitez pas à aller le voir pour aller voir son prix et me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JX.